10, the bombing of West Philly. 57 minutes, 56 seconds. WGBH, TWE, Boston. Funding for Frontline is provided by this station and other public television stations nationwide, and by the Corporation for Public Broadcasting. À Frontline, un conflit sanglant entre un groupe radical et des autorités municipales mène 11 personnes à la mort. En tant que maire de cette ville, je prends l'entière responsabilité des décisions qui ont été prises. Un quartier noir est détruit et laisse 61 familles innocentes dans la rue. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce un crime d'être noir dans ce pays? Ce soir, le bombardement de West Philly. From the network of public television stations, a presentation of KCPS Seattle, WNET New York, WPDT Miami, WPDS Detroit, and WGBH Boston. This is Frontline with Judy Woodruff. Bonsoir. Il y aura 2 ans ce mois-ci, la police de Philadelphie tentant d'arrêter les membres d'un groupe radical appelé MOVE a laissé tomber une bombe sur une maison. 11 personnes furent tuées, 250 jetées dans la rue. Ce soir, on enquête sur cette crise. Nous demandons, qu'est-ce qui s'est passé et qui est responsable? Notons que le maire de Philadelphie a décliné notre offre d'entrevue, comme les représentants des forces de l'ordre, de même que les représentants du service des incendies. Notre programme s'appelle Le bombardement de West Philly. Journaliste Liam Dash, une production pour Frontline de Martin Smith. Et je dois vous avertir que ce programme contient un langage vulgaire et des scènes de violence. Est-ce un crime d'être noir dans ce pays? Sommes-nous pénalisés du fait d'être noir dans ce pays? Est-ce que notre mère a perdu la mémoire? Se rappelle-t-il avoir déjà été noir? Se souvient-il de ce qu'impliquait la lutte pour la liberté? Je ne sais pas où il a perdu ses racines. Il serait mieux de retourner chercher puis de les retrouver. Nous appelons ça du racisme institutionnel. Et c'est exactement ce que c'était. Parce que nous sommes noirs et puisque les institutions ont une façon particulière de traiter les personnes noires, vous comprenez, à travers le système, la couleur de Wilson Good ne comptait pas. C'est l'institution gouvernementale et c'est la façon avec laquelle nous traitons les Noirs. Nous sacrifier pour couvrir leur gâchis, c'était pas juste. Je leur ai rien fait. Je leur ai rien fait. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de l'aide. Le fait de m'enlever mon bonheur, c'était pas juste ni équitable. Où est la justice? Où? Il s'agit de l'histoire d'un conflit entre un groupe radical appelé MOVE et la police de Philadelphie. Une querelle longue de 10 années et qui enleva la vie à un policier, 6 adultes de MOVE et 5 enfants. Un conflit que les autorités municipales ont laissé perdurer au point qu'il a perturbé et même détruit un quartier. Voici l'histoire de ce qui est arrivé et de qui on doit blâmer. En tant que maire de cette ville, je prends l'entière responsabilité des décisions prises pour, en fait, aller à l'intérieur et évacuer la maison de l'avenue Osage. J'endosse les personnes qui ont pris les décisions, je supporte mes commissaires, je supporte mon directeur administratif et je veux être jugé par la ville sur la base de cette décision. Un peu plus d'un mois après la confrontation du 13 mai 1985, le maire Good convoque une commission d'enquête pour faire la lumière sur ces événements. Jurez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité? Je jure.
Plus de 140 heures de session, de même que les témoignages du maire, du directeur de la gestion municipale, du commissaire de police et du commissaire aux incendies ont été nécessaires. Dans son rapport final, la commission conclut à un désistement du maire, il n'a pas pris ses responsabilités, ainsi qu'à une négligence de celui-ci. Rappelons-nous que cette nation a fait la guerre pour se prémunir contre des bombardements éventuels, alors que nous restons assis devant un petit gouvernement municipal qui emprunte un hélicoptère et concocte une bombe comportant de puissants explosifs militaires C4 pour ensuite la laisser tomber sur nos gens. Quelle sorte de gens sommes-nous, justement? C'est ça le problème. Quelles que soient les accusations, quels que soient les faits, vous les embarquez. Oui, je comprends. Les origines de la confrontation impliquant MOVE remontent aux années 60 et 70. Alors que la ville de Philadelphie, sous la gouverne de Frank Rizzo, chef de police et éventuellement maire, a toléré un corps de police dont la feuille de route pour la brutalité policière était la pire en Amérique. Voici MOVE. Voici les 309 morts de la 33e. MOVE est une réelle organisation révolutionnaire. Son but est de faire de l'agitation politique et, ultimement, la révolution. Les jeunes noirs et les quelques blancs qui ont joint les rangs de MOVE à cette époque atteignaient la majorité et se sont jurés de détruire le système dans lequel ils avaient grandi. Leur fondateur et chef était Vincent Lee Park, alias John Africa, un bricoleur indépendant qui prônait l'abolition de toutes les lois humaines. Au début des années 70, 30 membres de MOVE vivaient dans une maison à deux étages du village de Powelton, dans l'ouest de Philadelphie. La philosophie de MOVE comportait beaucoup de séances d'exercice, un régime de nourriture crue et un rejet de toute technologie. Le policier qui les interrogea éprouva des difficultés à comprendre ce qu'ils étaient. Ces gens sont névrosés. C'était quasi démentiel. Il n'y avait pas de principe. On ne pouvait pas trouver d'explication. Personne ne savait ce que signifiait MOVE. Ils ne le savent toujours pas. Ainsi, quelqu'un a dit qu'ils se sont nommés de cette façon parce qu'il y avait des enfants dans la commune qui grandissaient, et chaque fois qu'il voyait un policier, il disait aux enfants « Move, bouge ». Ils se seraient alors nommés « Move ». Vraiment, je ne sais pas comment ils ont trouvé ce nom. Le blasphème constituait leur arme de prédilection. Des démonstrations comme cette protestation en face du poste de police de Philadelphie menaient inévitablement à des arrestations. J'essaie encore de comprendre comment MOVE choisissait l'heure, la date et l'endroit où ils étaient arrêtés. Ils décidaient que l'activité aujourd'hui serait « on va se faire arrêter, on va sortir, on proteste, et qui va faire ceci ou cela, qui sera arrêté, etc. » Charles Patton était officier de police à Philadelphie jusqu'en 1984. Comme il l'a mentionné à Liam Dash de Frontline News, arrêter les membres de MOVE ne faisait que transférer le problème dans les cours de justice. MOVE, je crois, engorgeait littéralement les cours de justice par le simple fait de les emprisonner pour conduite inappropriée, par exemple. En plein tribunal, avec éclat, les membres de MOVE traitaient les juges de « misfit », »,« bozo » ou « motherfucker », »,« trou de cul », etc. Le juge les citait alors pour outrage au tribunal. Maintenant, nous en avions coffré quelques-uns, mais les spectateurs dans l'auditoire, des membres et supporters de MOVE, chahutaient la cour. Le juge devait alors citer 6, 7, 8 ou 9 et même 10 personnes pour outrage au tribunal. Pour une personne inculpée, vous retrouviez donc avec 10 outrages au tribunal. Ce que nous faisons, nous allons en cour et nous sondons le juge. Le juge vient, lui s'il dit « levez-vous » et vous ne voyez aucun d'entre nous se lever. Delbert Africa, ex-panthère noir, joint MOVE en 1972. Comprenez-moi bien, MOVE est venu au tribunal avec un groupe de confrontation. C'est comme ça que nous l'appelons, parce que tout le monde qui va au tribunal y est arrêté. Nous sommes venus en cour avec un groupe de confrontation d'au plus 15 personnes. Parfait. Ces 15 personnes eurent 800 et quelques chefs d'accusation et au-delà de quelques millions de dollars en amende. Ça ne prenait pas beaucoup de gens, seulement 15 d'entre nous. Pouvez-vous imaginer que tout le monde aille en cour et affirme « je me fous de ce que vous ferez, citez-moi pour outrage au tribunal ». Et alors? J'avais le droit de parler au même titre que mon frère ou vous-même. De quel droit pouvez-vous
nous mettre à genoux de manière si arrogante. Delbert a pratiqué les tactiques de Move dans les simulacres de procès faits par Move. Je comprends pas, notre liberté est menacée. Nous ferons tout en notre pouvoir pour la protéger. Vous ne pouvez restreindre en aucune façon notre liberté. Monsieur Africa, cette cour n'est pas une tribune pour diffuser vos vues politiques. Comprenez-vous cela? Comprenez-vous qu'on m'a amené ici sur la base de mes valeurs à cause de mes vues politiques? Alors, manifestement, il s'agit d'un forum propice pour elle. Votre honneur, j'en objecte. Je pense que le témoin harcèle le juge. En mars 1976, un incident déclencha l'escalade d'hostilité entre Move et la ville. Move affirme que la police a tué un de leurs enfants. Delbert et Jerry Ford Africa étaient présents. Ce bébé fut tué. Vous savez, il a été frappé à la tête par les matraques des policiers qui étaient en train de battre Janine. Parfaitement. Cet événement a mis les membres de Move dans un tel état qu'ils ont convenu de ne plus reculer. Nous sentions à ce moment-là que notre organisation avait quelque chose à dire à la ville, au monde. Nous ne tolérerons plus le meurtre et les abus envers nos membres. Nous avons contacté les élus municipaux, l'État, tout le monde en disant, regardez ce qu'ils ont fait. J'ai voulu y aller parce que je voulais les aider. Le conciliateur Lucien Blackwell était l'un des nombreux représentants municipaux invités à la maison de la commune de Moore. Nous mangions et avions presque fini lorsque Delbert Africa lut une note qu'il fit circuler ensuite. Quand elle m'est parvenue, je l'ai lue. Elle disait, le bébé est arrivé. Je commençais à suspecter quelque chose. J'ai monté les escaliers et dans une des chambres vides, il y avait ce qui semblait être le corps d'un bébé dans une boîte. Nous ne l'avons pas touché. On ne s'en est pas approché non plus. Nous ne pouvions allumer la lumière. La pièce était sombre. Ça aurait pu, ou bien ça n'aurait pas pu être un bébé. Selon eux, c'était un bébé. Le conciliateur Blackwell demanda à la ville de faire enquête sur l'incident, mais la ville ne donna jamais suite à cette requête. Dans l'année qui suivit, Move devint plus militante. Le 20 mai 1977, des membres se tenaient à l'entrée de la commune, armés de fusils et de pistolets. La ville se mit à les surveiller 24 heures sur 24. Ce fut le début d'un siège qui dura 14 mois. Si la police était venue à main nue, nous aurions utilisé nos mains. S'ils étaient venus avec leurs matraques, nous aurions utilisé des matraques. Et s'ils venaient ici pour tirer sur nos femmes, nos enfants et nos hommes, nous tirerions pour défendre nos vies. Quand je les ai vus dans l'entrée de leur maison, j'ai fait une séance d'introspection me demandant, et puis quoi encore? Parce que des éléments se mettaient en place et je me pensais au courant de ce que Move faisait et de ce que c'était. Soudainement, ils apparaissaient à l'entrée de leur maison, armés et tout ça. Alors que dans le passé, ils parlaient de révolution pacifique menée pacifiquement. Avec ces fusils, je me disais, c'est une toute autre histoire. Avec une publicisation de ce que nous ferions étape par étape, nous croyons que tout irait comme sur des roulettes. Et nous savions qu'en amenant cette plateforme, ça ramènerait tout à l'avant-plan. Ils nous avaient battus et tués tout le long. Cette démonstration ferait en sorte qu'ils ne puissent plus le faire secrètement. Nous ferons blocus. Nous les couperons de tout, de manière à ce que même une mouche ne puisse passer. Après plusieurs mois et 3 millions de dollars en temps supplémentaire fait par des policiers, Frank Rizzo essaya d'affamer Move. Mais Move tint bon. Ultimement, le blocus échoua de la même manière qu'échouèrent les tentatives de négocier une reddition. Nous ne nous rendrons pas. Se rendre voudrait dire que nous nous disons coupables. Nous sommes innocents et innocentes. Plusieurs gens commencèrent à voir Move comme victime d'un gouvernement municipal raciste. Le maire Rizzo ne pouvait que constater le support populaire grandissant envers la commune de Move. Puis, le 8 août 1978, le maire, convaincu qu'il n'y avait plus rien à faire, envoya la police. Ce fut le premier conflit ouvert entre Move et la ville. La police sera là pour les prendre par le cou. Il y aura une confrontation cette fois-ci? Je ne sais pas. C'est à eux de voir à ça. Pas de barricade, Mike. Ils seront pris par la force s'ils résistent. Pas de question là-dessus, enfants ou pas. Les supporters sont venus à la maison tôt le matin. Ils disaient que la police se massait dans le coin. Ils s'en viennent. Dans la maison, nous étions tous éveillés.
Nous avons rassemblé tout le monde, les petits, les enfants, et nous sommes descendus dans le sous-sol pour nous préparer à leur venue. Bien, quand nous fûmes en bas, nous nous mîmes en position, les ultimatums furent lancés, les barricades de l'entrée furent écrasées et laissèrent la fenêtre face à la 33e et celle du sous-sol exposée. J'étais juste à côté de cette fenêtre, celle qui faisait face à la 33e. J'étais contre le mur. Ne tire pas! Ils ont tiré les premiers. Définitivement, ils ont tiré les premiers. Ils ont tiré pendant longtemps un feu nourri. Ce n'était pas... la police n'a pas tiré avant que l'ordre lui en soit donné, parce qu'ils ne savaient plus où donner de la tête. Va vers le dos. Un policier fut tué, quatre autres policiers et quatre pompiers furent blessés. Move affirme n'avoir tiré aucune balle. Move claims they never fired a shot. I know the cops fired the shots throughout the whole thing. Ain't no doubt about it. Je sais que les policiers ont tiré dans le tas. Aucun doute là-dessus. Nous n'avons pas tiré. Qui a tué l'officier Ramsey? Un de ces policiers. Et c'est la raison pour laquelle ils ont voulu se couvrir. C'est pourquoi ils voulaient se couvrir sur le régime Rizzo. À ce moment et à cet endroit précis, jamais il n'admettra que ce Gestapo de luxe s'entretue. Les policiers ont admis avoir vidé leur chargeur sans trop viser. Parfait. La fusillade a duré entre 5 et 10 minutes. Un policier, maintenant président de la fraternité des policiers, a admis avoir vu un groupe de femmes et d'enfants. Il a dit « femmes et enfants ». Il a vidé sa maudite carabine sur eux. Delbert Africa m'a dit hier que vous aviez vu des femmes et des enfants à travers la fenêtre du sous-sol et que vous aviez ensuite déchargé votre carabine dans cette fenêtre. Certainement pas. Delbert le sait très bien. C'était Chucky Africa venant à la fenêtre avec un mini Rodger 233 que j'ai vu. Le seul moment pendant lequel j'ai aperçu des femmes et des enfants était quand tout était fini, alors qu'ils sortaient de la fenêtre. Avec 8 femmes et enfants là-dedans, vous pouviez les entendre. Delbert avait raison sur ce point. C'est vrai, je savais qu'ils étaient là. N'aviez-vous pas peur d'atteindre quelques femmes ou enfants? Il y avait une possibilité. Comment réagissiez-vous face à cette possibilité? Ben, j'aimais pas cette possibilité, c'est vrai. Je n'aime pas ça, mais je sais pas qu'est-ce qui est en train de me tirer dessus non plus. Sans blague, vous savez pas qui est à l'autre bout du canon. Vous ne le savez tout simplement pas. Vous devez neutraliser cet ennemi. Tout ennemi doit être neutralisé. Un groupe d'individus sortit. Il y eut une pause et le reste d'entre nous sortit. Et j'essayais moi-même de sortir avec tous les autres quand un policier me mit son fusil sur la tempe et me dit « Sors ton cul de là ». J'ai regardé et j'ai vu que je n'avais d'autre choix que de sortir du côté de Pearl Street. C'est à ce moment que les policiers se sont mis à sauter sur ma tête et sur mon aine devant la télévision nationale. Les mêmes policiers essayèrent de dire que je sortais de là armé. Frappé d'en face. Un bon coup de pied d'en face. J'en ai aucune idée, je pourrais pas dire. Ta gueule! On a erreur ici, en Estie, c'est clair. Thank you.
autant la frustration des agents voyant le chef de la gang sortir de manière aussi provocante après avoir massacré nos gens que celui-ci qui s'attendait à ce que la société se retourne sans émotion. Vous êtes sonné, ils sont stériles, vous n'êtes même pas supposé toucher le gars. C'est surprenant que le gars ait jamais marché. Comment, nom de Dieu, peut-on dire, ben, traitons-le comme il faut, oublions ça, sans émotion, ne faites rien, ramassez votre mort, vous blessez, allez-vous-en, tout est correct. Il a fait son action, mais c'est correct, vous ne faites pas la vôtre. Bon, vous pouvez porter une badge toute la journée, mais vous avez quand même du sang qui circule dans vos veines. Vous pouvez toujours avoir des émotions et de la frustration à voir vos amis abattus. Puis cette chose sort de là comme un corps arrière nourri au petit lait, et il veut être une étoile. Une étoile? Je l'aurais enterré. Il a tué quelqu'un avec qui il ne pouvait même pas se comparer. C'est un marine de 30 ans, deux guerres, tout le sang et le reste que cet homme a sauvé dans les rues de Philadelphie. Et ce tas de vidange, ce déchet, ayant une cause qu'il ne pouvait nommer après avoir engueulé tout le monde, il vient et il dit « J'ai des droits. » Des droits? Il doit être fou. Je sais qu'il est fou de toute façon. Les trois policiers qui ont battu Delbert Africa furent condamnés, en fait accusés pour assaut. Un juge de Philadelphie les acquitta. A Philadelphia judge found them innocent. Delbert et d'autres membres de MOVE furent condamnés pour meurtre. Chacun reçut une sentence allant de 32 à 100 années de prison. Dans les années qui suivirent, MOVE disparut. Over the next few years, MOVE disappeared. Longue vie à John Africa! Ce n'est que trois ans plus tard que quelques membres fugitifs de MOVE furent découverts vivant à Rochester, New York. John Africa était l'un d'eux. Lui et d'autres avaient fui Philadelphie avant la confrontation du 8 août. Les procureurs fédéraux et locaux espéraient avoir effacé MOVE de Philadelphie. On the move! On ne s'arrête jamais. C'est l'organisation MOVE. Longue vie à John Africa. Les procureurs, ça a l'air qu'ils ont échoué. Les sympathisants de MOVE célèbrent l'acquittement de leur chef Vincent Leapheart, aussi connu sous le nom de John Africa. Nous avons demandé à M. Leapheart, qu'est-ce que vous avez senti lors de la lecture du verdict? Rien. Je dormais. Quels sont vos plans, alors que vous restez à Philadelphie, essayez de revenir dans le culte de MOVE? C'est pas un culte, c'est une organisation. Après le procès, les membres de MOVE qui n'étaient pas en prison établirent une résidence dans un quartier noir de classe moyenne, à une couple de milles du village de Powelton où avait eu lieu la fusillade. Tout était tranquille durant les premières années, mais dans le mois de septembre 1983, une deuxième confrontation prenait forme. Notre première confrontation avec les gens de MOVE vint des rapports entre leurs enfants et les nôtres. Premièrement, les voisins se sont plaints du fait que les enfants mangeaient des déchets. Puis, ce fut des chiens errants, des cafards et des odeurs. Puis les vidanges, les odeurs l'été, ils avaient de la viande crue. Il y avait aussi des attaques verbales et physiques. Moi, Africa, il a couru en arrière d'un mot et il m'a poussé en arrière de la tête. Les voisins s'attendaient à une réaction de ville. Ils ont menacé de mort mon fils de 17 ans. Ils m'ont menacé qu'il disait. Qu'est-ce qu'on te dit qu'il te ferait? Ils ont dit qu'il défoncerait ma porte, violerait ma femme et tuerait mes enfants. La ville ne fit rien pour arrêter ces gens. Tout ce qu'on a eu, c'est des promesses. Ils nous ont dit ce qu'on voulait entendre, les élus municipaux. On s'en occupe, ne vous inquiétez pas. Rien n'arrivera jusqu'à l'élection du maire. Nous tous, de tous les voisinages, de tous les trains de vie, blancs, noirs, asiatiques, hispaniques, Wilson Good fut le premier maire noir de Philadelphie. Son élection semblait donner le signal d'un nouveau départ tranchant sur le passé. Si nous travaillons ensemble, nous pourrons régler le problème auquel fait face notre ville. Les quartiers noirs qui étaient auparavant sans voix avaient des raisons d'être optimistes.
Move avait des vues différentes, cependant. Quelques jours avant la passation des pouvoirs au maire Good, ils placardèrent la maison et installèrent un porte-voix extérieur. Ça se passait à Noël en 1983. J'allais me coucher. Aux environs d'une heure du matin, j'ai pensé, c'est un quartier de voyous, j'habite un quartier de voyous. Et vous pouviez entendre des voix. Alors, j'ai ouvert la fenêtre et la première chose que j'ai entendue, c'était MF Santa Claus, Vosh Père Noël. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu? C'était Vosh Père Noël. Pourquoi Mauve harcelait les voisins sur l'avenue Osage? Pourquoi Mauve harcelait les voisins sur l'avenue Osage? Avant tout, nous n'avons pas harcelé les voisins de l'avenue Osage. J'en ai rencontré hier et quelques-uns d'entre eux, environ 20, m'ont dit que vous les harceliez. C'était une confrontation majeure qui est arrivée en Noël 1983. L'installation du porte-voix, annonçant la position de Mauve pendant des heures, ça tenait les enfants réveillés. En plus, il y avait du langage profane auquel les voisins s'objectaient. OK, maintenant, avez-vous fini? Oui. OK, premièrement, qu'est-ce qui est arrivé le 24 décembre 1984? 1983. OK, 1983. C'était une confrontation entre Mauve et la ville de Philadelphie initiée par Mauve. Concernant l'usage du porte-voix et du langage profané, c'est bien malheureux que notre façon de confronter le système ait empiété sur leurs droits. Mais manifestement, ce n'était pas le but. Celui-ci était plutôt de les défendre. Je suis allé à la maison de Mauve et j'ai parlé avec Frank, James et les camarades Teresa et Ramona Africa des raisons qui ont amené toute cette confusion dans notre bloc. Ils ont dit, nous essayons de faire sortir ceux d'entre nous qui sont injustement encore en prison suite aux événements du village de Powelton en 1978. Ils ont dit qu'ils voulaient les libérer. Ils ont dit, si nous vous mettons dans une colère suffisamment bruyante, l'hôtel de ville devra répondre. Ce qui amena les voisins à se teindre, c'était la position que nous avons prise. Nous avions de nos membres innocents en prison et nous les voulions libres. En fait, nos démonstrations servaient à libérer nos amis prisonniers et prisonnières. Nous avons diffusé à l'aide d'un porte-voix? Oui. Nous avons dit aux gens que nous en étions réduits à prendre cette position et que s'ils voulaient faire quelque chose pour mettre fin à cette situation, pour la soulager en quelque sorte, ils devaient être à l'hôtel de ville en train de se plaindre. On ne s'en faisait pas avec les gens qui allaient se plaindre à l'hôtel de ville. Nous allons mettre la pression jusqu'à ce que vous en mettiez sur l'hôtel de ville de façon à faire libérer nos camarades. Le jour du souvenir en 4, 15 résidents de l'avenue Osage sont allés à l'hôtel de ville rencontrer le maire. Quand nous avons rencontré le maire, on était tous là. J'ai su dans mon cœur qu'il ne ferait rien pour nous. Parce qu'il nous a dit, pourquoi vous ne réglez pas ça? C'est noir contre noir. Il ne voulait pas avoir affaire à nous. Il agissait envers nous comme si nous étions des clochards, comme s'il parlait à une bande de clochards. C'est ce que vous sentiez, c'est ce que j'ai ressenti. Je pense que nous avons tous ressenti la même chose. Il vous parlait d'une manière hautaine? Exactement. Il ne voulait pas nous parler. Vous lui faisiez perdre son temps? Nous lui faisions perdre son temps en ce dimanche matin. Je ne sais pas comment résoudre ce problème à ce moment-ci. Je ne peux pas, en tant que maire de cette ville, prendre d'action légale pour calmer les inquiétudes du quartier. Très tôt, j'ai senti que nous n'avions pas l'expertise nécessaire. Aux audiences tenues pour faire enquête sur la gestion de la confrontation avec Mauve en 1985 par la ville, les élus ont alors décrit le suivi qu'ils ont fait sur les plaintes des voisins. Avez-vous vous-même, par l'intermédiaire de votre conseil, demandé l'aide d'autres autorités? Non, nous ne l'avons pas fait. Est-ce que c'était une patate chaude? Je pense que ça résume la situation, monsieur. Monsieur White, si c'était une patate chaude, à qui devaient s'adresser ses voisins et voisines? Si la ville ne pouvait les aider, qui le pouvait? Bon, vous parlez de la ville alors que vous posez cette question à moi? Je ne communique pas, il me semble. Je ne veux pas mettre ça. N'avez-vous pas appelé quelqu'un et dit que vous aviez un problème sur l'avenue Osage et... Non, je ne l'ai pas fait. Et que quelqu'un devait faire quelque chose? Non, je ne l'ai pas fait. L'incapacité de répondre aux plaintes faisait partie d'une politique d'évitement.
Alors même que le maire était informé de l'existence de plusieurs mandats d'arrêt émis contre des membres de MOVE, celui-ci a choisi d'éviter la confrontation. Je ne vois pas en quoi l'arrestation de deux ou trois personnes pour divers délits pourrait en fait régler le problème. Ça pourrait plutôt aggraver et empirer le problème. Le fait que la ville demeurait inactive face aux actions de MOVE augmentait la pression exercée sur les voisins. À l'automne 1984, la commune de MOVE construisit des fortifications telles que la maison qui l'abritait en devint un bunker. Sur le toit, on avait renforcé l'alliage, installé des supports à fusil et un nouveau porte-voix plus puissant. C'est insensé. Vous savez, on devait faire face à ça, vous savez. Et à ce moment, Cliff et nous avons joué nos forces. On aura une conférence de presse et puis on va faire quelque chose, maudit. On va se prendre des battes et des fusils. On va faire ça nous-mêmes, maudit, parce qu'on en avait assez à ce moment-là. Assez, c'est assez. On a entendu un an et on a vu se construire ce stupide bunker-là. Vous savez, il se traînait des bûches et des arbres du parc pour fortifier cette maison. Personne ne faisait rien pour les arrêter. La police était là 24 heures sur 24. Et puis en tout, c'est une confrontation? C'en est certainement une. Elle fut planifiée par John Africa il y a des années. On nous a dit qu'il y avait des explosifs dans la maison. Est-ce vrai? Ils hallucinent. Ils ne sont pas allés dans cette maison, alors ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qui se trouvait. Ce qu'il y avait, c'était la stratégie de John Africa. Elle est explosive. Au printemps 1985, les voisins qui en avaient assez firent appel au gouverneur de la Pennsylvanie. Le maire Good devait faire quelque chose, tout comme le maire Rizzo avant lui. Il mit le tout entre les mains de la police. J'ai dit finalement au commissaire de police de prendre son temps. Je voulais qu'il prépare un bon plan de façon à ce que tout se déroule de manière ordonnée, rangée. Le jour de la fête des mères, le 12 mai, la police évacuait le quartier et dit aux résidents qu'ils retrouveraient leur foyer en 24 heures. Ben, j'ai dit à la femme, nous ne savons pas quelle tournure ça peut prendre. Qu'en pensez-vous? Je pense, croyez-le ou non, qu'ils devront tous les tuer. Je veux les sortir de là. Et je pense que ce qui doit être fait, doit être fait. Quels que soient les moyens, et c'est ce que je veux. Très tôt, en ce lundi matin du 13 mai, il y avait 500 policiers entourant la maison. Quelques-uns avaient participé à la précédente confrontation avec MOVE en 1978. Cette fois-ci, ils sont venus une armée. À 5h35 du matin, la police intima l'ordre à quatre membres de la commune qui étaient sous le coup de mandat d'arrêt de se rendre. On leur donna 15 minutes. La police estimait que le nombre d'occupants était de 6 adultes au moins et 12 enfants. Lorsque le délai fut expiré, la police répliqua avec du gaz lacrymogène, de la fumée et des canons à eau.
gunfire lasted for 90 minutes. La fusillade dura 90 minutes. Move ne se rendait pas. Le maire était absent. Il suivait la situation par les nouvelles télévisées et par des relais téléphoniques avec son directeur administratif, Leo Brooks, un ex-général de l'armée américaine. Brooks en savait très peu sur ce qui se passait. Vous pouviez, je présume, de votre poste de commandement ou au moins lorsque vous étiez dehors, entendre la fusillade. Oui, absolument. Est-ce que ça ressemblait à un tir d'arme automatique? Oui, absolument. Étiez-vous au courant avant la fusillade que la police serait en possession et ferait peut-être usage d'armes automatiques? Je savais qu'ils auraient des M16. Saviez-vous qu'ils auraient des Uzis? Non. Saviez-vous qu'ils auraient du calibre 50? Non. Saviez-vous qu'ils auraient un fusil anti-char? Non. Saviez-vous qu'ils auraient un M60? Je savais pas. Tandis que M. Brooks était supposément responsable, le maire demeurait chez lui avec des politiciens locaux qui l'invitaient pour l'aider à suivre les événements du matin. De la cuisine, il pouvait entendre la fusillade. Je suis arrivé à 4h30 avec le président Coleman, conseiller municipal. J'ai rencontré des gens haut placés, puis Truman, homme d'État. Nous sommes restés assis là avec le maire pendant un bon moment. Le maire se tournait périodiquement vers nous et nous disait « Tout va bien, personne de blessé. » Une fois, il a dit « Ne tire pas vers la maison, du fait que nous entendions la fusillade qui est un feu nourri et qui semblait provenir d'armes automatiques. » Très bien, il vise au-dessus de la maison et pas directement dessus. N'y a-t-il pas eu une fois ce matin-là où M. Brooks vous aurait dit si la police visait bien au-dessus et non sur la maison? Ce que j'ai compris d'une des conversations que j'ai eues ce matin-là, c'était que la police visait au-dessus de la maison. Le maire était mal informé. La police tira au moins 10 000 coups de feu, non pas au-dessus, mais directement sur la maison. Au même moment, des escouades d'assaut utilisaient des explosifs puissants. Vous compreniez qu'ils utiliseraient des explosifs qui ne feraient que des trous de 3 pouces dans le mur? Oui. Quand avez-vous appris pour la première fois, monsieur, que les explosifs avaient soufflé le devant de la maison aux environs du porche du 6221, quelque part après le 13? Comment l'avez-vous appris? En lisant les nouvelles. Affirmez-vous avoir dit au maire que vous alliez utiliser des explosifs? Oui, monsieur, je l'ai fait. Est-ce que le maire semblait attentif à ce que vous disiez? Oui, monsieur, parce qu'il m'a demandé si c'était sécuritaire. Après une avant-midi de fusillade et d'explosion, un siège de 10 heures suivi. La police n'avait pas préparé de plan de retraite. Tandis que Move tenait bon, la police discutait d'alternatives, mais n'a consulté aucun négociateur de crise expérimenté de la ville. Pendant ce temps, le maire alla à l'hôtel de ville et tint une conférence de presse au milieu de l'après-midi. Nous entendons les chasser de la maison, nous entendons évacuer la maison et en prendre le contrôle. Nous utiliserons tous les moyens nécessaires. Monsieur, avez-vous des plans? Nous n'avons plus aucun plan à partir de maintenant. Rush devra prendre le contrôle de la maison. Pensez-vous vous rendre sur les lieux? Non, je pense que c'est inapproprié d'être là. J'ai 3 personnes crédibles. Leo Brooks, directeur administratif, Greg Sandboyd, le commissaire de police, et Bill Richmond, le commissaire aux incendies. Je ne pense pas que ma présence soit requise. Qu'est-ce que vous pensez que Richmond ou Sandboyd veulent faire à ce moment précis si vous me dites oui, ni non, quelle que soit la question? Je vous dis que le commissaire de police est commissaire de police et qu'il est responsable des opérations policières et on obéira à sa façon de faire. À 5 heures de l'après-midi, un nouveau plan était conçu. Je leur ai dit qu'il serait difficile de tranquilliser le quartier durant la nuit, qu'il serait difficile de calmer les récriminations des personnes qui travaillent et qui veulent retourner chez elles, et que le commissaire voulait laisser tomber un engin sur le toit
pour détruire le bunker et pénétrer le plafond. Après qu'il m'ait dit qu'il voulait souffler le toit, j'ai fait une pause de 30 secondes, le temps d'absorber le choc, et les mots que j'ai prononcés ensuite étaient « Est-ce que M. Sandboyd est au courant? » Il a dit, il a répondu, c'est son idée. C'était, selon mon point de vue, la meilleure façon d'aborder le problème. Est-ce que le directeur administratif vous a encouragé dans la décision d'utiliser un hélicoptère? Oui, monsieur. A-t-il appelé le maire? Il l'a fait. Avez-vous dit au maire qu'on la laisserait tomber d'un hélicoptère? Oui. Vous rappelez-vous l'avoir entendu dire hier que sa version des faits diffère? Oui. Affirmez-vous qu'il vous a dit qu'elle serait lâchée d'un hélicoptère? Je l'affirme. La version du directeur Brooks diffère de la mienne dans la façon qu'il se rappelle m'avoir dit qu'il utiliserait un hélicoptère, ce dont je ne me souviens pas. À 5h27 de l'après-midi, sans avertissement, une bombe contenant de puissants explosifs militaires était lâchée. S'attendant à une fuite des membres de MOVE, les escouades policières prirent position dans l'allée à l'arrière de la maison. Theo O'Brien du Canal 3 arriva. Elle demanda, « Lucien, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a eu un impact. Non seulement on a entendu une explosion là-bas, on a allumé la télévision et on a vu cet hélicoptère circulant dans les airs, laissant tomber une bombe et... boum! » Je suis resté là et au début, me sentant concerné, je me suis dit... ils ont la situation sous contrôle. Ben, j'ai pensé, peut-être qu'ils essaient de les étouffer. Pendant que s'il y aurait suffisamment de fumée dans la maison, ça en ferait fuir les occupants et qu'ils pourraient ainsi les attraper. Puis après un moment, on a vu le feu. On est allé là-bas, on a vu le maire. Il est sorti de son bureau, puis j'ai dit, « Hey, tu sais, tout est sous contrôle. » Il dit, « Nous contrôlons la situation, tout est correct. » Il n'y avait toujours aucun signe portant à croire que MOVE quitterait la maison. Le commissaire de police et le commissaire aux incendies se sont alors entendus pour utiliser le feu comme arme de combat. Le commissaire Sandboyd m'a dit quelque chose comme « Pouvons-nous contrôler ce feu? » Et ma réponse, je suis prudent de nature, je lui ai dit « Je pense que oui. » Il a dit « Laissons brûler ce bunker. » Je lui dis essentiellement en communiquant, je lui fis remarquer que je voulais laisser brûler le feu, je veux dire ce bunker. Pourquoi n'avez-vous pas rejoint M. Brooks au téléphone pour lui dire d'éteindre ce feu? Je l'ai fait. Quand? À 6 heures. Et que s'est-il passé à 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30 alors que nous regardions la télévision? On a parlé de ça, et tout au long de la soirée, nous sommes demeurés en contact en nous demandant pourquoi nous ne pouvions éteindre ce feu. Et le maire dit, ce feu que je regarde, il s'embrase, je veux dire, il grossit, éteignez ce feu. Je venais de parler au commissaire en lui donnant cet ordre, je lui avais dit d'éteindre ce feu. Après avoir reçu l'ordre d'éteindre le feu, donc d'ouvrir les vannes à incendie, avez-vous transmis ces consignes? Oui. À qui? Le commissaire aux incendies est encore là. Je ne peux que nier ça. À ma connaissance, aucun ordre n'a été émis par le général Brooks au sujet de l'extinction du feu. Une heure après que l'incendie se soit déclaré, le bunker s'est effondré sur le deuxième plancher de la maison. Selon un des survivants, un enfant nommé Birdie Africa, les femmes et les enfants se terraient sous des couvertures mouillées dans un garage du sous-sol pendant que l'équipe de tournage de la police prenait ces images. Il ne t'a trop vu, le commissaire de police, le fils de pute. Ha, ha, ha. Dans l'heure qui suivit, le feu s'étendit à toute la maison et commença à se répandre dans les maisons voisines. Ce n'est que 90 minutes après le début de l'incendie que des membres de MOVE tentèrent pour la première fois de s'échapper. À ce moment, des témoins ont entendu des coups de feu dans la ruelle en arrière de la maison.
À votre première tentative d'évacuation de la maison, vous êtes retourné à l'intérieur à cause des coups de fusil? C'est ça. Qu'est-ce qui se passait? Pouviez-vous entendre les balles autour de vous? Oui, je pouvais les entendre très distinctement, atteignant la maison tout près de moi. Une fusillade a commencé. Avez-vous entendu tirer? Mm-hmm. À quoi ça ressemblait? Que, comme ça. La fusillade policière força les membres de MOVE à demeurer dans la maison. MOVE tenta une autre sortie 10 minutes plus tard. Cette fois-là, du Ramona, il n'y avait plus de tir. Aussitôt que j'ai compris que je n'entendrais plus ces coups de feu, nous avons essayé de sortir encore. J'ai alors crié, il y a des enfants qui sortent, puis ils ont ouvert la porte du garage. Je savais qu'ils nous avaient entendus, je savais. Puis, on a dit, on veut sortir. Et qu'est-ce que les autres enfants ont fait? Ont-ils fait la même chose? Oui. Et est-ce qu'il y en avait qui pleuraient? Oui. On broyait tous. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Amanda est sorti et a dit, tout est correct, on va tous sortir maintenant. Et on a commencé à sortir. Est-ce que les autres membres vous ont suivi? Oui. Combien? Je ne sais pas. Je ne sais pas combien exactement. Il y avait plusieurs personnes. Ramona était-elle la première à sortir? Qui est sorti après? Tree. Et puis après, qui est sorti? Phil. Et après? Moi. Je dis que je sais qu'il y avait plus que moi et Burby de sortie et qu'il n'y avait aucune raison de croire que quelqu'un puisse volontairement retourner dans la maison et rester là. Qu'ont fait Phil et Tree? Eh bien, elle courait et elle leur a dit de courir. De quel côté courait-il? Dans la ruelle. Était-il dans la ruelle vers Cobbs Creek ou vers la 62e Cobbs Creek? Cobbs Creek. Vous êtes-il couru dans la ruelle? Je ne me rappelle pas combien sont allés du côté de Cobbs Creek. Et on doit couper. Je ne veux pas en parler. Je ne veux plus en parler. Est-ce que tu as revu Phil ou Tree? Burby et Ramona furent escortés par la police et amenés à un hôpital ou des environs où ils furent traités pour brûlures. La police avertit l'hôpital qu'il devait attendre 2 autres enfants. Ils ne sont jamais venus. Peu après l'évacuation, plusieurs maisons de l'avenue Osage et de la ruelle prirent feu. Un total de 61 maisons furent incendiées et le feu fut déclaré maîtrisé à 15h15. À une conférence de presse, 3 jours plus tard, des journalistes ont demandé des questions à propos de la fusillade dans la ruelle. Le commissaire de police leur donna 2 versions. Premièrement, il dit, « Mes officiers ont agi en état de légitime défense. Il y avait un homme de MOVE avec un fusil. On a riposté, et quant à savoir s'il y a eu mort d'homme, pour le moment, je ne détiens pas cette information. Plus tard, lors de la même conférence de presse, le commissaire changea sa version. Laissez-moi clarifier une chose à propos de la fusillade dans la ruelle. À propos de quoi? À propos de cette riposte ou de cette prétendue riposte de coups de feu envers les gens dans la ruelle. Il n'y a pas eu de coups de feu de tirer parce que la police ne voulait pas atteindre l'enfant.
Si quelqu'un sait vraiment quelque chose au sujet de ces événements dans la ruelle, il ou elle n'a pas osé se présenter aux autorités. Les affirmations de Beardy et Ramona concernant les deux autres enfants qui s'enfuyaient dans la ruelle demeurent inexpliquées. En tout, 11 corps furent retrouvés dans les décombres. Voici le corps de John Africa. Mais il y a d'autres faits troublants. Un pathologiste a trouvé des fragments de balles dans 3 des corps. Puisque le feu a rendu méconnaissables quelques-uns des corps retrouvés, d'autres preuves de blessures par balles sont peut-être disparues par la même occasion. Aussi, des témoins ont entendu des coups de feu tirés par des armes automatiques qui ne pouvaient provenir que de la police. Dans les ruines de la maison de Moore, on a trouvé les restes de 2 pistolets, d'une carabine de calibre 22 et d'un fusil de chasse. Il n'avait pas d'armes automatiques. En plus, on peut se poser des questions sur le moment exact où l'ordre d'éteindre le feu a été donné par le maire. Un réexamen des faits indique clairement que l'ordre a été donné bien plus tard que le maire ne l'affirme. Pourquoi n'avez-vous pas appelé M. Brooks pour lui demander d'éteindre ce feu? Je l'ai fait. Quand? À 6 heures. Selon le maire, son ordre fut donné à 6 heures, au moment où le feu pouvait encore être contenu sans difficulté. Puis, le maire a admis voir les canons à eau être déclenchés en direction de l'incendie. Mais, selon les rapports du poste d'incendie et les documents vidéo de la télévision, les canons à incendie ne furent actionnés qu'à 6h30. Cela place l'ordre du maire une cruciale demi-heure plus tard que ce qu'il dit. À ce moment-là, le feu devenait hors de contrôle. Et, malgré l'ordre du maire, les canons à eau, furent bientôt fermés. Les pompiers, s'en remettant à la volonté des policiers, ne commencèrent à combattre l'incendie qu'à 9h30. Si l'ordre du maire avait été donné à 6h et s'il avait été respecté, 61 foyers auraient pu être sauvés. Tout ce temps-là, nous avons plaidé en faveur d'un règlement. Nous avons supplié pour que quelqu'un vienne trouver une solution à ce problème qui empirait de jour en jour. Bien avant que vous ne preniez la décision de laisser tomber une bombe sur ma maison, vous avez ruiné ma vie et je suis là, assis, je ne peux retourner chez moi. Je dois tremper dans toute cette merde qui continue de brasser. Ils sont pas venus, ils se foutaient de nous, ils s'en crissent. Ils ont envoyé quelqu'un pour nettoyer la merde qu'ils avaient eux-mêmes créée et on devrait tout leur prendre. C'est ce qu'ils veulent et ils se foutent de notre gueule. Ils disent, laisse-les souffrir, laisse-les s'enterrer, puis pas depuis hier, pas depuis la semaine passée, mais depuis des années. Après ça, on va voir le maire pour une solution et il dit, ben, on y travaille, on sait pas, qu'est-ce qu'on devrait faire au juste. Ensuite, il disait, attendez, puis il prend tout son temps pour prendre une décision. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient, attaque la maison, tire 10 000 balles en disant qu'on doit protéger les enfants. Comment ça, protéger les enfants quand on tire 10 000 balles dedans? C'était pas tout. Ils ont décidé de mettre le feu au bunker. Ils ont décidé volontairement de laisser brûler le bunker. Ils savaient qu'ils raseraient le quartier. Qui a donné tout ce pouvoir à ces gens? Si on laisse passer ça cette fois-ci, devinez ce qui va arriver la prochaine fois. Ils vont réduire en cendres un autre quartier noir. Vous comprenez? Vous qui nous écoutez ce soir, c'est ce que vous devez comprendre. Je suis en tabarnak. Je suis vraiment en tabarnak. Puis je m'en calisse d'être en tabarnak. Je me crisse des conséquences de ce que je dis, parce que je sais une chose, ça ne serait jamais arrivé dans un quartier blanc. Il aurait étouffé l'affaire dans l'œuf. J'en veux pas plus. Je dirais, contrairement à M. Ruth, que je suis désolé. C'était pas la question. La question était de savoir si quelqu'un avait fait une erreur, et je n'ai rien entendu de tel aujourd'hui ici. Je m'excuse, monsieur. Voudriez-vous répéter la question? Nous avons à rédiger un rapport dans lequel nous dirons si quelqu'un est responsable ou pas de ces erreurs qui sont arrivées. C'est notre responsabilité et nous le ferons, c'est tout. Si votre question était de savoir si quelqu'un a fait ou n'a pas fait, je pense que vous avez répondu à la question, monsieur, je le pense vraiment. La réponse à votre question est oui. J'ai commis des erreurs dans cette opération.
Peu après l'incendie, le directeur administratif du maire Good a remis sa démission. Quelques mois après, le commissaire de police Sam Boyd a pris sa retraite. Le commissaire Richmond et le maire Good demeurèrent en poste. Ramona Africa subit un procès et fut condamnée à 7 années de prison pour émeute et conspiration contre l'État. Le jeune Birdie Africa vit maintenant avec son père qui n'a jamais fait partie de Move. La mère de Birdie est morte dans l'incendie. Il y a présentement 2 procès, un municipal et l'autre fédéral, pour faire la lumière sur les événements du 13 mai 1985. Une décision sur l'opportunité de porter des accusations criminelles sera rendue bientôt. 1 an après les incidents, la plupart des résidents de l'avenue Osage ont pu regagner leur maison. Most residents returned to Osage Avenue last fall. Please join us again for Frontline. I'm Judy Woodruff. Good night.